démocratie, ce sont des caricatures de démocratie, ce ne sont pas des démocraties. C'est de ça que nous parlons. Nous sommes pour les modifications de constitution qu'il faut avancer le pays. Vous faites de la constitution une table des lois. Les divergences sont claires par rapport à ça. Nous ne disons pas la même chose. Une petite parenthèse. Dans le cas du Cameroun, la modification de la Constitution... Je dois lui répondre d'abord. C'est une petite parenthèse. Pour ce qui est du Cameroun, la modification de la Constitution qu'on a eue, c'était dans l'objectif de faire avancer le pays. Ça a eu cette... Vous savez, dans le fond, oui. Les constitutionnalistes africains, oui. Vraiment, je veux les respecter, mais ils doivent s'asseoir et redire leurs leçons. L'histoire des pays africains, depuis la colonisation et l'esclavage, quel pays africain a une constitution? Vous savez ce qu'on appelle une constitution? Donc vous voulez dire que les pays africains ont des constitutions? Bon, pour ce qui nous sert de constitution, faisant passer de 5 à 7 ans le mandat du président de la République et a fait sauter le verrou de la limitation des mandats, le changement de la constitution au Cameroun, c'était dans l'intérêt? Non, c'est pas une affaire d'intérêt. Oui. La constitution prévoit ça. Le Camerounais prévoit les modalités de sa révision. À partir de là, le débat est clos. Toutes les constitutions. Je dis que non, puisqu'il n'y a pas le Cameroun. À partir de là, moi, je ne suis pas un propagandiste. Hein. Ceux qui font la politique, ils saisissent tout pour exister politiquement. C'est-à-dire qu'à la constitution du Cameroun, les modalités de sa révision sont prévues. Est-ce que cette révision, à l'époque, avait respecté cette modalité? Oui. Et c'était dans l'intérêt de qui? C'est la question que je pose. Ce débat est subjectif. Si je suis du RDPCI, c'est dans l'intérêt du Cameroun. Je suis un opposant autoproclamé. Je veux dire que c'est contre l'intérêt du Cameroun. Le débat n'est pas là. Non, justement, c'est une question personnelle que je vous pose. Je veux que je vous réponde. Pour moi, oui, c'est dans l'intérêt du Cameroun. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je vais vous répondre? Cela n'a pas changé cette constitution, qui allait prendre le pouvoir? Monsieur Marafa et les autres, avec leurs complices qui sont aujourd'hui dans l'opposition, pour le compte de qui? De la France. Je parle même plus loin. Donc nous soutenons, quand c'est nécessaire, en tant que patriotes, l'institution de notre pays, quand l'intérêt du pays le commande, on le fait. Très bien. Alors André Luther Mekka, selon un analyste...